Je m'appelle Remy, puis j'ai 16 ans. Moi, c'est Raphaël. J'ai 17 ans. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis avec mon chum. Je m'en vais la rejoindre où on s'est rencontrés pour la première fois. Ben, je t'ai apporté quelque chose, là. Ben là, on s'était dit qu'on se donnait rien. Je sais, mais je te l'aurais donné anyway, là. C'est quoi, un char? C'est l'église, hein? Regarde, on peut s'en parler, là. Raphaël! Raphaël! Bon ben, vas-y là. Ça fait 2 semaines que tu me réponds pas. Ça fait beaucoup d'une shot, Romy. Écoute, je suis désolé d'avoir réagi de même là, mais... Hostie, t'es enceinte! Ok. On fait quoi? Moi j'ai de l'argent de côté, j'ai dit à ma mère que bébé correct avec ça, puis... On n'est pas les premières à qui ça arrive. Romy... T'as 16 ans. On a tout notre avenir devant nous, là. Va pas gâcher tout ça. Tu vas te faire avorter. Quoi? Aïe, aïe. Je suis vraiment avec un gars qui... Pense-y 2 secondes, mais là. J'ai pensé. On est capable de l'élever, cet enfant-là? On? Tu veux dire toi? Le souper est prêt. Venez manger. Regarde, j'ai beau t'aimer, là, mais... C'est moi ou l'enfant. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Hé, Raphaël, tu restais pas à souper? Non. Il va rentrer chez lui, finalement. Ah oui? Ah bon. Ben, bye. Voici l'esquimau que ça va sur vous. Un arbre s'est dessiné tout le long de mon dos, comme tous les déracinés, ses racines sont en haut. Tout le monde a vu que l'écorce,
la forme déguisée, la force. Moi je brûle de la tête aux pieds, mon corps veux-tu me laisser? Seul, ensemble, plus on est haut, plus tout s'assemble. Comme c'est beau de tout laisser vivre sans dire un mot. Seul, ensemble, plus on est loin, plus on se ressemble. Le repos, c'est mourir pour apprendre à vivre.